Salut les amis, vous êtes sur le NYSAT Show. Aujourd'hui, on se retrouve dans Need for Speed Payback afin de pouvoir faire la récupération de la voiture abandonnée. Donc, dans la précédente vidéo, vous avez la position de la voiture. Et là, je vais tenter de la récupérer pour vous. C'est la petite BMW M3 Evolution 2 E30. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie qu'elle est. Nous verrons cela tout de suite. C'est parti. Alors, elle est en catégorie drift, les amis. Sans blague. Allez, va-t'en. Allez, fonce. Non. Ouf, putain. Et non. Allez, vas-y. Putain. Adam 13, vous l'avez arrêté? On a passé le coin fait sans balle, la porte est tendue. Adam 35, vous allez dans quelle direction? Vers le nord, par Beurre Canyon. Regarde la route, connard. J'ai plané leur position. Allez, va-t'en. Allez, fonce. On est presque arrivé à l'aéroport de toute façon. Ça va bientôt se finir tout ça là. Mais c'est quoi cette merde? Quoi? Arrêtez! Putain! Là comme ça, putain! À deux pas de l'aéroport, putain! Fais chier! Tout ça parce qu'elle prend du temps à reculer, cette pétasse! Bordel de merde! Ça passe pas, c'est comme ça pour la deuxième fois là, c'est clair et net. Adam 13 a engagé une poursuite. Il est disponible, demandez sur zone.
Là, ça va pas être comme tout à l'heure, les gars, je vous le dis déjà. Normal, vous êtes des brèves, bande de bouffons. Dégage. Je vous l'ai dit, ça va pas être comme tout à l'heure, attention. Dégage. Dégage. Ouais. J'ai préféré foncer dans le vide. Parce que normalement, je savais que j'allais pas réapparaître à côté des gars. Donc là, c'est bon, normalement. Je dois pouvoir faire ce qu'il faut pour arriver là-bas. Dégage. Dégage. Ouais, vas-y, dégage, bouffon. Je suis pas ton père. Dégage, 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 dégagez bouffon. Et voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vous l'avais dit, ça allait pas être comme tout à l'heure là. Non, 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 non. Tu m'as eu salement tout à l'heure là, je l'avoue, mais là tu ne m'aurais pas eu. Ah, c'est clair mec. Arrête de rêver, arrête de regarder des films pour adultes. Et voilà les amis, c'est fini. La petite BMW M3 Evolution de E30. Il y a trouvé une BMW M3 Evolution de E30. Il y a que 500 exemplaires de cette icône des années 80. Sur les circuits, c'est une tueuse. Alors imagine ce qu'elle peut faire sur nos routes. Eh oui. Donc, vous connaissez déjà les vibes, les amis. Elle est en mode drift, déjà. Donc, je m'en doute un petit peu par rapport aux jantes. J'avais oublié qu'on l'avait pas eu en drift. Non. En fait, je crois que je l'avais déjà acheté en drift. Et c'est pour ça que je pensais qu'on l'avait déjà eu en drift dans... Bon, peut-être qu'on l'a déjà eu. Oh, je sais pas, je m'en fous. Mais en tout cas, tout ce que je peux faire en termes de customisation, c'est ça. Non, je vais mettre le tout ce qui est d'origine. Je vais acheter pour mettre d'origine et puis voilà. Le reste, on va le mettre quand il y aura le petit DLC. Dans 2 semaines. Et oui, n'oubliez pas que dans 2 semaines, il y a un petit DLC. Donc voilà, c'est à surveiller les amis, à surveiller, à surveiller. Donc c'est ça. Ensuite ça. Non. Ouais. D'origine. On la met d'origine. Tranquille. Comme ça, quand il y aura la petite DLC, on verra ce que ça va donner. On va mettre ça. Juste compte. Ensuite ça. Ouais, c'est ça. Bon, les phares, on va les faire. Non, pas d'aileron. Voilà. Et le pare-choc.
On veut ça. Tranquille. On va mettre ça. Et voilà. Voilà la petite 30. Elle sera customisée le 19 pour voir si les jantes que l'on va nous donner, bon, les accessoires qu'on va nous donner dans le DLC seront disponibles dès le départ et voir ce que cela va donner. Pour ma part, ça sera tout les amis. J'espère que cette petite vidéo de récupération de la petite BMW, de la petite voiture abandonnée de la semaine, vous a plu. Déjà, j'ai eu un échec. Je comptais pas vous le montrer, mais je me suis dit, je suis censé être transparent, comme je l'ai dit pour vous. Je suis transparent, donc j'ai réussi, j'échoue, je vous montre que j'échoue. Donc, comme vous l'avez vu, les amis, totale transparence avec vous. J'ai échoué, donc je vous le montre. Malheureusement, je l'ai pas eu du premier coup, mais je l'ai eu du deuxième coup. Et oui, j'ai échoué à deux pas de la ligne d'arrivée. Malheureusement. Donc, pour la question bonus, elle a été diffusée dans l'une des précédentes vidéos. J'ai laissé 18 heures pour avoir la réponse, le commentaire réponse pour avoir le petit bonus par rapport au concours. Il n'y a pas eu de réponse de votre part. J'avais dit donner 10 heures pour y répondre. J'ai attendu 18 heures quand même. Et aucune réponse, malheureusement. Donc, le bonus, ça a sauté. Je vous remercie pour votre part. Les résultats du petit concours sortira demain. Il sortira demain. Donc, déjà, là, je vais faire la comptabilité, savoir qui est en tête, les trois premiers abonnés qui auront leur lot. Donc la vidéo de demain sera la vidéo résultat du petit concours. J'espère pour ma part que cette vidéo vous a plu, les amis. N'oubliez pas de lâcher un maximum de commentaires pour dire ce que vous en pensez. Si vous êtes déçu d'avoir cette voiture-là ou pas comme voiture abandonnée de la semaine, donnez votre point de vue sur la voiture de la semaine en fait. Donc, vous êtes libre, de toute façon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Et pour le reste, pour les nouveaux, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. C'est pour tout le monde. Mais pour les nouveaux, lâchez les abonnements. Et en plus des abonnements, activez les notifications afin d'être averti de la sortie de prochaines vidéos sur cette chaîne. Donc, allez-y, n'hésitez pas, les amis. Lâchez un maximum de commentaires, lâchez un maximum de likes, lâchez un maximum de partages et abonnez-vous les nouveaux, lâchez les notifications afin d'être averti des sorties. Et voilà, pour ma part, n'oubliez pas d'aller checker les inscriptions les amis, c'est là quoi. Ça, dès que j'oublie de dire des petites choses dans les vidéos, cela est en description. Donc je vous remercie, c'était NYSAT pour vous servir, vous étiez sur le NYSAT Show pour voir la position de la voiture abandonnée. Et là c'était pour la récupération, la position a déjà été faite. Vous voyez, c'est la station, vous avez vu que c'était la station qui est juste en haut. Je peux même vous mettre la position au cas où. Donc vous voyez, là, normalement vous atterrissez ici dans le jeu. Donc vous vous rendez à cette station service-ci. Si vous ne l'avez pas encore, elle est là comme ça, là. Normalement, vous devez la voir parce que si vous avez fait l'histoire, vous débarquez en quelque part par là et vous devez redescendre par là en passant devant la station. Donc, logiquement, vous devez avoir la petite station. Donc, vous vous rendez ici et la voiture abandonnée est juste là, juste à côté, juste dans la station. Donc, allez-y les amis, n'hésitez pas, vous avez tout ça de route à faire pour aller la ramener ici. Yep. Donc, pour ma part, ça sera tout. Je vous laisse, les amis. On se capte dans une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse. Ciao!